Hey, salut, c'est White. Bienvenue dans le premier épisode sur BeamNJ Drive. Cette saison, je l'ai nommée Total Destruction. Alors, pas le temps de niaiser, c'est mercredi, mais j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Alors, c'est parti, on commence avec cette petite italienne. Et pour se remémorer de bons souvenirs, on est reparti sur Cliff, la fameuse colline. Je veux pas que je me casse trop la gueule trop vite, parce que sinon, voilà ce qui risque d'arriver. Pas assez de vitesse. Pas assez de carnage. Et c'est Total Destruction, je vous rappelle. On y va en vitesse réelle pour commencer. Comme au beau vieux temps. Des chocs et de la colle froissée au menu, au programme. Pour ceux qui connaissent un peu BeamNJ Drive, Cliff, c'est encore le meilleur moyen de skater des bagnoles. Et puis de voir ce qu'il en reste. Ou plutôt ce qu'il en reste pas. Comme ceci. Alors bien sûr, pour les prochains épisodes de Total Destruction, il y aura du mod. Mais il y a tellement de nouveautés, alors que je restart comme ça. Il y a tellement de nouveautés dans BeamNJ Drive que de toute façon, il y aura de quoi faire. Attention, je pose, c'est la voiture suivante. Voilà, voilà. J'ai décidé de prendre cette version-là. Regardez, il y a des petites nouveautés sympathiques ici quand même. Pour le fun, on peut faire ça. Excellent! J'adore. Bon, c'est pas tout ça. On dégringole. Youhouhouhou! Putain! Ah, j'ai pas le temps de prendre de la vitesse! Ah non, là c'est mort. Là. Un petit ralenti. Je sais encore comment on fait. Ah, c'est avec Alt. Voilà. Bon, là ça va passer vite, hein. Voilà. Voilà. Faut que je me réhabitue un peu, que je me refasse la main. Hein. Soyez indulgents. Oula, il y a eu un petit bug, désolé. Oh putain. Normalement, vous voyez pas le curseur de ma souris, par exemple. Donc ça doit être relativement propre à l'écran. Sous vos yeux ébahis. Elle a beau avoir des arceaux de sécurité, il en reste pas grand chose. Alors je sais pas si vous vous souvenez de ça aussi. Je peux faire mes muses en cliquetouillant sur les trucs. Voilà. Next! Je ne peux pas faire un épisode de BeamNJ Drive Total Destruction sans un pigeon. Bon, attendez. Il manque quelque chose à mon pigeon. Voilà, un petit gyrophare. On va essayer de descendre tout doucement. En faisant le moins de dégâts possible au départ. Mais avec cet engin là, ça promet d'être pas mal. Hein. Parce que déjà rien que cette petite descente là. Tout doux, tout doux. Voilà, je suis sur les freins à bloc là. Ça glisse. Et là, go! Youh! On va perdre la poubelle. Oh putain. Ça roule! Ça roule, monsieur, dame! Putain. Toujours aussi beau et aussi jouissif de voir la tôle se froisser. La grande descente. Putain, il en reste plus rien. Ah, si, il y a encore des portes. Allez, roule, petit pigeon, roule! Arrière déjà. Une roue de secours en dessous, c'est déjà ça. Et on glisse jusqu'à la plage. Voilà. Et on va tout de suite s'arrêter là parce qu'on perd pas de temps. C'est du crash, crash, crash. Encore une et on change de map. Ça y est. J'ai le véhicule idéal pour ce genre de petites conneries. Regardez-moi ça. Impeccable. La passe crème. Oh putain! Et merde! Franchement, c'était pas prévu. Je pensais aller au moins jusqu'ici avant que ça parte en salade.
Bon, c'est aussi un engin solide avec des arceaux de sécurité et tout le tout-team. Mais c'est pas pour ça qu'il va pas morfler. Ralenti. Il y aura aussi des crashs au ralenti total. J'essaye de faire de mon mieux pour les angles et les vues. Voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je crois c'est pas mal. Bon, on va checker notre map. À l'occasion, j'aurais bien envie de rejouer un petit peu avec les canons aussi. Le fameux boulet de canon là qui transperce les bagnoles. Trop excellent. A tout de suite. Alors, dans BeamNG Drive, il existe désormais aussi une sorte de campagne avec des scores à faire sur des épreuves. Là, par exemple, c'est la descente sensationnelle ou un truc de genre. Jump off anywhere, on peut sauter de n'importe où. Vous avez vu l'altitude, il faut aller le plus loin possible avec une voiture imposée. Et donc, c'est ce qu'on essaye tout de suite. C'est parti. Avec cet engin-là, 3, 2, 1. Parti ! Font les ballons, il y a de la secousse, et là c'est le jeu qui s'occupe de faire du ralenti et des vues, hein, c'est pas moi. J'ai plus qu'à admirer le spectacle. Bim ! Magnifique. Ah ouais, là je peux. Oh, il y a du rocher. Putain, je vais pas aller dans le. Ok, dans les buissons, j'ai fait. C'est nul. J'ai déjà fait mille fois mieux. C'est réussi quand même. Bah tant mieux, comme ça on va arriver au suivant. Ouais, c'est médaille d'or ou je rêve? Excellent, next. Évidemment, je vous zappe les temps de chargement. Une drag race. Moi je suis la bleue. Voilà qui peut être intéressant. Bon, je vous cache pas que j'ai déjà fait le premier et le deuxième, donc celui-ci je sais ce que c'est un peu nul. Moi je vois pas ma souris, ah là-bas. C'est pas grave, on le regarde quand même. Évidemment, il a une bagnole spécialement faite pour le drag. On sait bien qu'il va me piler, mais il y a le feu. Regardez, il y a le feu. Alors je pourrais lui rentrer dedans, ce serait spectaculaire, mais j'ai envie de remporter des points. Une roue. Excellent. On l'a même entendu crier. Le dernier. Et là, je tire le frein à main spécialement pour le pestacle. Bim, la Subaru. Ouais, il y a quand même un petit accident. Mais bon, le troisième sera sûrement mieux, voyons le score. Impeccable, je suis le meilleur. Voilà, voilà. Ah, le pont, je crois que j'avais déjà fait ça aussi il y a longtemps. The Bridge, numéro 3. Ouais, je vous ai pas menti. Hein. Donc, quelques petits scénarios. Et la prochaine fois, bah, je trouverai bien de nouvelles idées, de nouveaux véhicules, et peut-être même des mods, même sûrement, pour l'épisode 2 de Total Destruction, n'est-ce pas? Good, better, best. En fait, faut que j'aille le plus loin possible sur le pont. Mais je vous cache pas que je la sens pas, je l'ai déjà essayé celle-là, je crois, il y a longtemps. Hein. Et c'était not easy. On va y aller mollo pour monter déjà. Et c'est parti. Ah ouais, le pont il penche, sa mère. Oh merde. Je me prépare pour la vue. Oh shit. J'espère que je peux quand même passer au numéro 4. Parce que j'aimerais bien arriver jusqu'au 6. Oh. Apparemment je peux passer quand même malgré que j'ai seulement une troisième place. Tant mieux, suivant. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors que les petites herbes du jeu apparaissent sur mes yeux ébahis, sous mes yeux ébahis. Ah, excellent, faut que je pousse la bagnole dans le vide. Down here. Ça, c'est dans mes cordes, je te le dis direct. C'est parti. Ouh, vous avez vu que les sons de moteur, depuis que j'ai fait des saisons sur BeamNG, ont changé. Bim! Ah ouais, là, c'est beau. Là, ça me parle. Deux carcasses dans les airs. Ça va être magnifique, ça. Oh. Oh, ouais. Oh. Et hop, dans le... Beau. Beau. C'était un peu court, mais j'ai aimé. Le score. Deuxième. Pas dégueu. Next. Alors, la suspension. Un pick-up, un rocher. Faut que je jump. Oh ouais, d'accord, c'est une sorte de cross. Oh, le mur à la fin, il faut que je le chope. Ça, faut que j'y arrive, les gars. Allez, c'est parti. Ah, les roues tournent déjà. Ah merde, je dois faire ça avec une vue de crapaud.
Ça craint ça. C'est à l'envers. Ah! Merci de l'avoir mis à l'endroit, c'est plus simple. Oh les enfoirés. C'est pire qu'un permis de conduire ça, je vous le dis. Mais c'est vrai que les vues sont sympatoches. Celui-là, je crois que je vais quand même le refaire, mais on va le faire à toute berzingue, comme on dit chez moi. À toute vitesse, parce que là, je pensais pas que ce serait aussi facile. Ah oh, merde. Bon, c'était le bus, mais c'est pas grave. J'ai envie de la refaire en... Rapidos, Speedy Gonzales. Parce que le hit point, là, bon, c'est un mur, c'est un solide mur, hein. C'est pas un petit mur en bricouille, hein. Par contre, ça, c'est très chiant, c'est qu'on sait pas démarrer quand on veut. On est obligé de se taper... Comme je vais faire essayer, il va nous monter deux fois le truc là. Casse pas les couilles là, je suis en direct. Bouffon. Ok, c'est parti. On va essayer d'y aller un peu plus fort là. Un peu par là, voilà, voilà. Pas trop fort non plus parce que je vais me retourner avant. Mais un peu plus vite. Oh, ça tient, ça tient. Hop, je rétablis. Voilà. Et bim, j'ai niqué un bloc, c'est ce que je voulais faire. Même trois, tiens. Hop, belle vue. On plie. Oh, il aurait pu laisser mon ralenti, ce couillon. Et là, je vais me taper une mauvaise note. On s'en fout, c'est next, les gars. Canon. Ah, le canon, c'est ça que je voulais faire. Bah, dans l'épisode 2, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais dans l'épisode 2, j'aimerais bien en replacer un et faire ça sur une autre map. Détruire des véhicules avec un canon. C'est excellent. On va essayer, c'est parti. Donc, je dois cliquer sur... Ah, normalement, il est réglé. J'imagine, on va voir, on va tester, sinon je retente. Hein. Oh merde! Je crois que c'est raté. On va essayer direct. Bim. La petite pause qui va. Ah, mais c'est maintenant que tu me dis qu'il faut régler l'angle ou je l'avais peut-être pas vu. Pardon, Bim, j'ai pas fait exprès. Donc avec mon stick de gauche, puisque c'est L, left in English, je peux régler l'angle. Bon, de ce que j'ai vu là, à mon avis, un petit peu plus haut, ce sera bon. Hein. Oui, chaque fois que je fais réessayer, il met deux fois le truc, c'est très chiant. Mais bon, au pire, je vous apprends ça, ou alors vous entendrez ma belle petite voix. Destroy, au mille points, j'ai compris, merci. T'aurais pu foutre un camion pour commencer, peut-être. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Alors. Voyons voir. Ah, je peux même pas. Ah ouais, d'accord. Moi, je dis plus ou moins comme ça. Bim ! Oh putain, beaucoup trop haut. Ça rase. Je mets pause et je recommence. C'est très chiant de se taper deux fois le même le générique quand on a décidé de recommencer. C'est pour ça que la prochaine fois, je vais régler ça moi-même. Je placerai mon canon où je veux et on sera plus chier. Bip ! Ouah, c'est pas vrai, dit. Putain de jeu de merde. Ça y est. J'espère que c'est la bonne cette fois-ci parce qu'après, je dois partir. Bim ! Ouah, j'ai touché. J'ai touché. Je vous avoue que c'est pas... le plus beau crash, mais on va terminer par le final parce que là j'ai plus le temps et la prochaine fois je réglerai un camion et ce sera d'autres véhicules que cette espèce de Camaro de je sais pas quoi là. Mais tout de suite. Bon, 5 reins, c'est mon premier enregistrement depuis longtemps tout seul et mon programme d'enregistrement ainsi que BMG ont un peu merdé. Donuts. Bon, pour ce dernier crash, j'ai décidé de vous faire un petit maxi ralenti, comme à la bonne vieille époque. C'est parti, c'est sur le mur qui est là-bas que ça se passe. Compte balle. Enfin, si j'arrive à combler. J'ai peut-être pris une bagnole un peu trop puissante pour l'occasion. Allez, on y va tout de haut. Enfin, c'est une bagnole de drift cette merde. Comme à la bonne époque. Je mets pause. Je diminue le timing. À fond. Donc peut-être pas moins 100, quoique si on va essayer, on va voir. Et on relance la machine. Je vous rassure, je vais accélérer un peu. Oh. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas joli ça ? Moi j'adore. Hein. Allez, on s'en refait un petit dernier pour la route, c'est parti. Punaise, je viens de tracer la route pour... garer cette espèce de imitation Porsche électrique à deux balles, style Tesla. Et je viens de faire un de ces freins à main de dingue, ça a juste fait... sur le bout du pare-choc. Heureusement, je l'ai pas scuté. Hein. C'est parti, on se fait un mur de face. Il est où le mur? Ah, il est là. Pause! Si je mets pas pause à temps,
On est cuit. Ah, c'est la bonne vieille époque de BeamNG Drive sur BBTV. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il reste de bon là-dessus? Ça, c'est mort. Ça dégage. Ah, c'est solide, hein? Et là, le pneu, là. Y'a moyen? Yeah! Putain! Ah, j'ai chopé le pare-choc, par contre. Regardez. Excellent. Ah, y'a une toute dernière pour la route. On va essayer de la skater de côté. Ah merde, c'est pas vraiment de côté. Hein. Mais ça peut le faire quand même. Énorme. Allez, c'est sur ce que je vous dis. À la prochaine, alors que je tente d'ouvrir la porte. Pour l'épisode 2 de Total Destruction, j'ai envie d'arracher un truc. Écoutez, j'arrache le feu. Sur la chaîne BBTV qui renaît de ses cendres. Voilà. Salut, salut. Bye, bye.